On est au beau milieu du désert de Gobi et notre chauffeur est en train de changer la roue car nous avons crevé un pneu. Tranquille! Délicieux ces petits plateaux repas au milieu du désert de Gobi. Merveille. Préparé ce matin par la guide. Formidable. Merveilleux. Je vais y aller. On est au beau milieu du désert de Gobi et notre chauffeur est en train de changer la roue car nous avons crevé un pneu. Tranquille. Je suis pas garagiste mais là je crois qu'on a crevé. Hein. Voilà où est-ce qu'on est tombé en panne. Une yourte traditionnelle, on voit ici qu'il y a un lit, là-bas un autre lit, le poêle au centre, là il y a un endroit pour prier ici, la télévision, et il y a la petite fille là-bas, coucou. Et cet objet est quand même assez étonnant, c'est deux pots de vache, et dedans il y a le herk, qui est du lait de jument fermenté, qu'ils mettent là-dedans, et après ça fait la boisson alcoolisée. Et du coup, on nous offre le lait traditionnel de jument. This one is better than the beer. Finish. Finish. Yeah. Oh. Really? I have to finish it. Da 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 da. It's up to you. Longo de coro está o que mal. Pasa. Longo de comens, you know. Yeah. The three times. Okay. Yeah. Three times. You don't have to, you know. Okay. I'm just worrying about your stomach. Really good. Ça a un goût très bizarre, on dirait que c'est un peu pétillant en fait. C'est vrai? Mais c'est... Ça a l'air de kiffer gros. Non, c'est pas mauvais, mais c'est un petit peu étonnant. Tu vois la gueule qui a tiré. Ah mec, c'est assez bizarre. Ouais. On dirait... un espèce de vin un peu passé quoi. Attends mon Nico. Je suis tellement pas chaud. Par contre, je suis inquiet pour mon estomac. Ah, ouais, c'est pas mal. Du coca un peu. Ça fait longtemps que t'as pas vu de coca. Non, surtout pas. Là, il est plein. Non, il faut qu'elle le re-remplisse. Non, mais là, elle pourra pas le re-remplir. Il est passé trois fois, mec. Trois fois. Ah, par contre, je vois pas. Franchement, je vais. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça, mec. Bah, tiens. Mais ça vient, je veux vraiment que tu nous dises direct après le type de goût que t'as ressenti. Qu'est-ce que t'en penses, hein? On dirait un truc inégalé, ouais. Pourtant, c'est de la cuvée prestige. Hein. Vin, c'est de la cuvée prestige. Hein. Pourtant. Je trouve qu'au goût, au début, ça fait du lait caillé un peu, même à l'odeur. Mmh. Et après, on dirait du vieux vin. C'est de la villageoise. trois fois, il tourne, toi. Trois fois. These drinks. Yeah. It's kind of alcoholic, but you know, it's very good for health. Like, it's full of vitamin C. And then the Mongolian scientists proved that, you know, it is similar with, you know, the. Milk often, you know, on peut you pas know, tout ça. The female one.
Okay. Female. Yeah, the woman. Your woman, yeah. Your head doesn't have to be, you know, on the floor. Oh, yeah, yeah, yeah. Et oui, il y a plein de règles dans une yourte en Mongolie. On ne doit pas passer entre les poteaux du milieu, par exemple. On ne doit pas croiser ses jambes. On doit accepter de boire une gorgée du bol de lait fermenté. On ne doit pas siffler. On ne doit pas poser son chapeau par terre. Je vous ferai un article de blog qui détaille tout ça. C'est hyper intéressant. Ah, c'est une yourte séchée, mec. It's like a curd. T'as aimé, mec? Ça se mord, ça se suce. Ouais, c'est de mordre. C'est hardcore. Ouais. Oh la vache. François, Damien suçote son petit truc de lait séché, là. C'est beaucoup trop dur. Ouais, c'est hyper dur. T'imagines le nombre de personnes qui avaient déjà su sauter le truc à travers la bouche. Mec, elle nous apporte des raviolis et tout. C'est formidable. Madame a cuit des raviolis et là on va manger un petit ravioli comme ça. Sauf qu'on a mangé il y a une heure. Qu'on n'a pas faim du tout.